Bonjour à tous qui bien branché en Casalier, tout le monde qui en les canal là qui a gardé nous là, là. Bien, merci pour toute l'action à zot. Nous quand trouvons nous à Bémaro pour voyons bonjour bah, responsable communal, nous quand salut à vous et à tout le monde. Nous quand voyons bonjour bah, mes filles qui des machines là qui du force, courage. Et bien là là nous avons un grand homme qui que bonne nous explication à ça qui a fait côté là dans en l'instant là ça. Dis-moi déjà qui nous a. Oui, moi c'est Gilles Raguel, président de l'association avec le SIDA ensemble. Donc nous sommes une association loi 1901 qui a existé depuis 2007 et nous avons fait action de prévention en matière de tout ça qui risque sexuel auprès de la population générale. Donc l'association l'a créée à la base, c'était pour porter en plus, hein, déjà une idée ou trois associations déjà existées. Est-ce que depuis qu'on a aussi ils ont quoi mettre en place, est-ce qu'il y a un résultat dans ça? Je crois que ça a avancé. Eh bien, mon cher, nous avons un résultat dans le sens où la population, le peuple là, nous avons essayé de sensibiliser, nous avons répondre présent, nous avons fait des actions, notamment pour le carnaval. Précisément, nous avons une période où nous avons un peu chaud, un comportement un peu relâché. Les actions, c'est quoi? Les actions, ben là, quand je là, nous avons fait un village santé, ça, au départ, même à création de l'association, là, c'était l'idée de faire des villages santé avec d'autres partenaires pour sensibiliser les gens à les risques sexuels, mais aussi d'autres pathologies comme le diabète, comme les problèmes d'alcoolologie, alcoolémie, et comme ça. Et sinon, les actions grand public, c'est carnaval ou pas forcément de temps à devant ces gens-là pour discuter, pour échanger avec eux, pour bouchou d'informations et des comme ça. Donc là, c'est plus sensibilisation, distribution préservatif masculin, féminin. Ça réticent, mon n'a pas venir. Non, en général, les mouns réceptifs, hein, quel que soit l'âge, quoi qu'on a constaté depuis ces dernières années, on a senti ces jeunes-là moins réceptifs que depuis les mouns qui sont plus grands. Parce que peut-être, ça a rentré tellement l'habitude à eux que peut-être qu'ils ont racheté des à eux-mêmes. En tout cas, là, nous avons gratuitement. Ni les masculins, ni les féminins. Ça veut dire que ces madames-là aussi, ni propre protection. Elles n'ont pas obligé d'attendre ces noms-là pour bailler en protection. Est-ce que vous, quoi, c'est bien? Eh bien, moi, je ne pas. Non, moi, quand non, mais c'est-à-dire que, bon, les relations régulières, stables, pas bizarre, ça va aussi. Mais il faut toujours dire, mais elle aussi, jamais. Je dis au physique, je ne veux pas être gardé à ce pas. Vous pouvez dire ça. Là, il peut dire ça. Alors, présentez-nous. Je dis là, avant, c'est pour le pouvoir que j'ai. Eh bien, préservatif masculin, Mimi. Oui, masculin. Et aussi. Voilà, ni préservatif. Et ni gel lubrifiant là, parce que chaque monde en fonction de sa sécurité. Eh bien, nous n'avons pas fait démonstration avant, nous n'avons pas fait démonstration avant. Oui. Non, c'est ça. Vous l'avez gêné. Non, mais en simulateur. En simulateur, voilà, voilà. Nous voilà. Fait, voilà. Mais pour nous, c'est vrai que nous avons déjà dit, nous n'avons pas fait démonstration, ça le manège tournant, et nous n'avons pas fait. Voilà, voilà, voilà. Et c'est vrai que nous n'avons pas fait encore, mais nous avons regardé pour vous mettre. Et pour le préservatif féminin, là, je ne l'ai pas mis. On n'a pas aujourd'hui. Parce que, oui, mais ça, ici, moins plus cher, déjà. Et il n'y a pas ni forcément l'IREPS qui partenaire en nous, qui a fourni nous ces capotes-là, il n'y a pas ni en stock tellement. C'est pour ça que nous avons proposé les masculins, c'est ça qui est plus facile. Et puis, mais l'utilisation, là, tout le monde, parce que vous-même, certains vous connaissez l'utiliser ici, oui, oui. Là, nous avons dit, c'est moi qui ai posé la question. Là, nous avons dit, capote préservatif. Oui. En créole, nous avons dit capote. Capote, là, qui a fait peur. Non, là. Capote là, on a l'impression. Nous, si nous avons parlé créole, nous avons dit capote. Ça a été naturellement. Capote, oui, capote qui a été naturellement. Préservatif, oui, c'est vrai. Il va pas pistant. Il a préservé, voilà. C'est l'idée de préserver. Mais ça va. Vous avez préservé, vous avez préservé l'autre là aussi. Et c'est pour ça, dans l'action, nous avons fait des actions comme ça, mais nous avons fait action dans l'établissement scolaire aussi, dans le lycée. Et avec un gynécologue notamment, un médecin, et qui a mis l'accent sur les problèmes de contraception, parce que le préservatif, là, ça a protégé des infections sexuellement transmissibles, mais aussi c'est un moyen de contraception pour ces femmes-là, pour éviter à 14-15 ans, vous retrouver embarrassé, si on peut dire. Très bien. À part de l'union d'autres monde qui peut dire l'union des mots à cette association-là. Nous lions des potos mitants associations, les gens font Kalou Ayasami, Ari Ayasami, pardon, qui est fondateur, même fondateur. Et puis, voilà. Alors, nous, c'est les gens qui accompagnent nous depuis le début de l'aventure. Ouais, ouais. Et les gens nous peuvent compter sur eux, c'est surtout ça. OK. Nous allons continuer, nous allons appeler que nous avons Bimaro, bel coup plus précisément. Hein. C'est Ayasami qui a fait. Là, Kakembe. Combat, là. Oui, nous sommes toujours en combat depuis 2007. Ça, c'est vrai. Oui, et nous sommes même fondateurs, moi,
Gilles avec moi et Jean-Bon Martin. Martin Jean-Bon, nous créons l'association là. C'était pour venir aider qui est encore société amenée en trade. Donc en trade venait disparaître. Donc nous tous restons là. Et après ça, aide venait derrière nous. Mais quand aide a touché subvention à le gouvernement, et nous sommes bénévoles. Et à partir de là, nous là nous avons goumé, jusqu'à l'heure actuelle, nous avons goumé. Donc nous avons dans le carnaval, nous avons dans ce lycée-là, nous avons fait village santé, nous avons dans l'école-là, nous avons gynécologue qui a marché avec nous. Donc à partir de là, action là, et bien, la population a commencé à rentrer en mœurs là. Et pour 2030, les recherches disent qu'il faut éliminer ces dalles pour 2030. Donc nous avons un soulagement. Et à partir de là, nous avons vu l'orientation, nous avons l'association là après. Pour faire d'autres bites. Ça calme bien qu'elles soient ici les plages aussi, parce qu'il y a plein de monde là. Oui, les manifestations, ces plages-là, nous allons quand c'est un spectacle, nous allons faire tout. Non, nous pouvons faire ça. Nous pouvons faire ça les plages. Nous allons faire ça là, qu'il y ait le public qui est chaud, qui est chaud. Ça veut dire qu'on a là, le public là chaud, c'est alcool, c'est bitin, donc nous sommes obligés de faire ça. Là, nous allons à l'école là, c'est pour empêcher cette timouna à y aller dans ça. Parce que bien que vous avez dit que vous avez montré la vie sexuelle à l'école, ces femmes n'ont pas d'accord, mais nous sommes obligés de faire quand même. Parce que sans prévention, nous sommes prêts pour vous. Donc, et l'idée de l'avenir? Bon, l'idée de l'avenir, depuis que Martin Jean-Mot est venu, il est venu mener pompe à morphine. Pourquoi 100 pompes à morphine dans l'hôpital là? Il y a pompe à morphine qui a coûté cher, c'est pour la douleur. Et à partir de là, ils jouent nous, moi avec Gilles, ils m'ont dit nous, quand nous avons fait d'autres. Et bien, nous avons créé une association, c'est SIDA, c'est SIDA dans le monde. Et nous créons l'association là. Et à partir de là, juste à l'heure, nous sommes bien. Et quand dimanche, nous sommes mardi, nous sommes Bastien. Et nous toujours Bastien, nous sommes fidèles à Bastien. Nous avons pris là. Pour connaître les autres, ça facile. Oui, c'est facile. Nous avons un podium là, on prend là. Couleur vert là, c'est. Ça veut dire que nous sommes rouges, mais l'association là, Bobol, pas tenu rouge. Et c'est le Colombo, récemment, le Colombo qui a sponsorisé nous. Il reste dit nous allons faire d'autres tricots, mais pour nous, mais pour ça, nous sommes en rouge. Et là, c'est espérance aussi. Très bien. Vous comptez là? Oui, tout à fait. C'est vrai. En vice-présidente à l'association là. Ouais. Voilà, on s'est accompagné à M. Yassami. Mm-hmm. Et voilà, ça a déroulé bien. Nous avons fait des actions, nous avons fait une prévention pour tout le monde. Et voilà, ça a fonctionné très bien. Très bien. Et vous? Ouais, ben moi, c'est Pierre Musquet. Et moi, association avec Calou, toute l'équipe là, madame à moi, Gilles, depuis 2007. Mm-hmm. Et puis, alors, il y a un professeur qui a dit cordonnier toujours mal chaussé. Est-ce que c'est cas ou non? Non, pas cas. Pas pour ça, pour? Non, pas du tout. Oui, en cas, vous voulez normalement. Ça va? Oui, ça va. Oui, bon, alors. Quand c'est Chantal Musquet, on s'est membre de l'association là, bénévole, hein, depuis 2007. Donc, en sortie en métropole, et là, nous venons, nous voyons l'association là, donc nous venons dès le départ réveillé. Et comme nous, moi personnellement, savons que nous sommes Timoun, et nous avons fait de la prévention, donc on trouvait ça légitime de rentrer dans l'association là, et ça permet moi de discuter encore mieux avec ces Timouna par rapport au sida et par rapport à toutes les maladies sexuellement transmissibles, et aussi. Pour les jeunes enfants qui ont fait des enfants. Donc, dans ces cas-là, ça peut empêcher de faire des petits mouns qui n'ont pas désiré. Parce que le préservatif, ça sert à ça aussi. Très bien, merci. Président, nous avons à bout. Oui. Ok, nous comptons. À grand ou le bravo? ATV! Merci.